bienvenue. Je m'appelle Véronique Roger-Lacan et je suis ambassadeur thématique, représentante spéciale chargée de la lutte contre la piraterie maritime. Alors, on est devant mon bureau. Avant de vous montrer mon bureau, d'entrer dans mon bureau, je vous montre le coffre à clé. Pour moi, les coffres à clé, ça a toujours été un cauchemar, de même que les coffres, parce qu'il faut ouvrir ça avec mémoriser des codes et ensuite manipuler les codes avec délicatesse de manière à pouvoir rentrer dans son bureau. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le politico-militaire, que je dois ouvrir des coffres et que je mets toujours des heures à les ouvrir. Donc voilà, ça c'est le premier cauchemar. Le deuxième, c'est lui, ce coffre, les cartes, indispensables pour notre métier. Et enfin, la magnifique vue. On l'a tout refait, la garder dans la vie. Je crois que mon objet du quotidien, c'est les notes, ce qu'on appelle les notes jaunes, les notes de la DGSE qui donnent un point de vue très précis et très ciblé sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Pour la lutte contre la piraterie, on me dit quand et comment une attaque a été déjouée, qui sont les commanditaires de la piraterie, quels sont leurs liens avec les gouvernements, avec les autorités locales, etc. Et les autorités locales avec lesquelles moi je suis censée négocier. Et donc si je sais que le négociateur, il est par ailleurs en lien avec les criminels maritimes, ça m'aide à ne pas me faire avoir. Et peut-être pour l'anecdote, mon homologue somalien était le plus gros commanditaire de la piraterie somalienne et il avait été nommé par le gouvernement somalien ambassadeur chargé de la lutte contre la piraterie. Et c'est notamment grâce à des notes jaunes de ce type-là qu'on l'a su. Bienvenue.